Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver sur Via Stella pour un nouveau numéro du live, numéro un peu spécial puisqu'on va célébrer 15 ans déjà pour ce groupe qui a atteint donc l'âge de l'adolescence. Ils ont été adolescents, ils ne le sont plus, mais ils ont atteint la maturité avec un nouvel album. Ils ont aussi décidé de convier quelques amis à eux pour cette soirée un peu particulière. Je vous fais une promesse, c'est que ce soir, il y a du niveau. Restez avec nous, profitez de la musique et on accueille tout de suite ceux qui fêtent leurs 15 ans cette année, le groupe Svelyudiz, avec un nouveau titre, ça s'appelle Mi Patria. Patria, luce, bandera,
les 15 ans de Zvaludizula. Les 15 ans qui sont aussi l'objet de la sortie d'un album, Destin Winman, où dont est extrait Mi Batria. On va en parler tout de suite avec Sébastien Tramone, Anthony Segondi, Christophe Tori et Nicolas Sorba. Venez vous installer. Parce que bon, 15 ans, ça se fête. On va en parler, bien sûr. Nicolas Sorba, Sébastien Tramone. Oui, tu peux les bonbons. Oui, tu peux. Oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire cette émission, si on nous traite bien. C'est bonbons et à volonté. Geoffran qui nous a rejoint, et Christophe et Thierry, bonsoir tous les quatre. Une petite partie du groupe avec un nouveau dans le groupe, Sébastien. Je fais exprès de te poser la question parce que tu as les bonbons dans la bouche. À vous, Capienne. Bel exemple. Un nouveau depuis quand? Un nouveau en tout cas sur Sur le dernier album, on a la chance, l'honneur, le privilège d'avoir Geoffran qui n'est pas venu pour rien. Non, on ne vient jamais pour rien. Non, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans que tu as intégré le groupe. Merci. Ça a fait 3 ans. Je suis arrivé entre l'enregistrement de Patch et la sortie du disque, donc je n'avais pas participé au disque. Les concerts qu'on suivit, oui, mais voilà. Nicolas, nous, on s'est vus il y a un petit moment déjà dans le live. Tu parrainais une petite bande de jeunes. Juste, je veux prendre de leurs nouvelles. La Pasqualine, ils vont bien? Très bien, très bien. Ils travaillent dur pour l'instant. J'espère que ça va durer et qu'ils feront leur chemin et qu'ils iront très loin. Voilà. Tout choqué, inspiré. Et pour ça, petite parenthèse terminée. Et Christophe, lui, je suppose qu'il est bien, il est à l'aise dans le groupe. Ah oui, très. Depuis quand d'ailleurs, toi? J'ai commencé tout jeune, vu que je suis tout neuf. Oui, on dirait pas. Oui, non, mais c'est à cause de la barbe, évidemment. C'est à cause de la barbe. J'ai commencé à peu près une quinzaine d'années avec Svelio, en fin d'année 2000. Et puis après, je suis vraiment rentré un peu plus officiellement dans les années qui ont suivi, quoi, peut-être 2001, 2002. En fait, tu n'avais pas le niveau au début. C'est ça, surtout ça. Il a beaucoup travaillé. On l'a testé. Non, je ne l'ai toujours pas. Et puis... Je les ai menacés. On sent que c'est très tendu dans le groupe, hein, Sébastien. C'est toujours très tendu, oui. Non, Christophe, pour en revenir à lui, en fait, était un minot quand on a fait appel à lui. Mais on a tout de suite remarqué sa voix de basse. Et c'est vrai qu'il avait peut-être 14-15 ans. On l'a fait venir aux répétitions, etc. Il était passionné. Peu à peu, tu as intégré le groupe, tu avais 17 ans. Et là, je me souviens, quand il m'a présenté Christophe, il m'a dit, il a un problème, il prend toutes les secondes à l'octave, à 15 ans. Il m'a dit, quand ta main est un basson. D'ailleurs, ça a été confirmé. Dites-moi, les 15 ans, ça fait quoi? C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de nostalgie aussi, parce qu'on regarde un petit peu le chemin parcouru ou pas, Seb? 15 ans, quand on regarde derrière, on ne se rend pas compte en fait, que ça fait déjà 15 ans. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, parce qu'on s'est retrouvé avec Catherine Pitor, qui a fait partie du groupe au départ. Et on s'est remémoré justement notre première expérience scénique. C'était un concours de chant amateur à Portivier. Tu y étais, Laurent. C'est toi qui as dit, et le gagnant est... C'était il y a longtemps. C'était en 2000. En 2000 déjà. Et oui, et oui. C'était il y a 16 ans. C'est ça. Et le gagnant est... Svaludiz, voilà. C'est vrai que c'est la première fois que je vous ai vu sur scène, en fait. Mais c'était la première fois qu'on était sur scène, hein, tout court. Ouais, c'était une bande de petits jeunes prometteurs. On a eu du flair sur ce coup-là, finalement. Hein. On a eu du flair. Bon, je sais pas. Bah, si, 15 ans après, vous êtes toujours là. C'est quoi, le quatrième album, maintenant, avec Destin Winman, ou c'est le quatrième album? Destin Winman, ou quatrième album, donc on a fait progressif, mais ensuite, on était régulier. Tous les 3 ans, un album. Il m'a mis un coup de vieux, lui, là. Je me rappelais plus, moi, de ça, à Porto-Vec, au concours de la chanson. Tu étais jeune et beau. Ah ouais. Je suis moins jeune. Mais toujours aussi beau. Oui. Merci. Pas de commentaire derrière, dites-moi. On a un public très agréable ce soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, 16 ans, ça se fête. Il fallait des invités. Et je vous ai demandé de faire venir sur la scène du live des gens que vous aimez bien, puis avec qui vous collaborez. Puis on va voir que finalement, tout est entremêlé. C'est-à-dire, c'est une histoire de rencontre. Svel, ou avec d'autres groupes comme Arapa. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu vas te lever, Sébastien. Sébastien, pour info, il fait partie de ce que je vais appeler le nouvel Arapa. On peut dire comme ça, non, Nico? Oui, bien sûr. Nouvelle version. Nouvelle version, effectivement. Et Arapa, on va les retrouver avec une très, très belle chanson. Alors, j'ai pas l'habitude de le dire, parce que... Mais quand j'aime, je le dis. Et là, pour le coup, c'est une chanson. Moi, elle me met la chair de poule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Natale Di Guadorici, chantée par Arapa, nouvelle version, vous m'en direz des nouvelles. Merci de les accueillir. Ils sont sur la scène et dans le live.
Sentuganta lipina, miulina luviumu, un'aria gasandrina, mi stringi d'un colpo, un fruscio di stocco, mi stanno a stogu, ma sempre ti rivigo, ma soltanto sola, ma so qui. Belle chanson, Nadda, les Liugator, Lici, avec Arapa, Jacques Couliot, Don Mathieu Santini et Sébastien Tramoni qui vont me rejoindre. Vous avez peut-être reconnu un petit thème musical, ça vous a peut-être fait penser à Joyeux Noël. Et puis en plus, c'est une chanson de circonstances et d'actualité en ce moment, puisqu'il n'y a pas très longtemps, on commémorait le 100e anniversaire de la bataille de Verdun. Il y aura d'autres commémorations jusqu'en 2018. Et d'ailleurs, ils vont y participer, mais... Don Mathieu, Jacques et Sébastien, donc c'est le mange-toi un bonbon, Seb. C'est la nouvelle version de Arapa, Jacques. Oui, voilà, donc Arapa a été connu avec un autre chanteur qui n'est plus là, Jean-Charles Papi. Et qui n'est plus là. Enfin, qui n'est plus là. Qui a quitté le groupe. Oui. Sinon, il va très bien. Hein. Il va très bien. Jean-Charles qui a quitté le groupe, qui n'est plus dans le groupe, ce que je voulais dire. Et qui prépare un album, d'ailleurs. Et qui prépare un album solo. Donc, où on s'arrêtait, où on continuait. Bon, il fallait continuer. Et nous avons appelé notre ami Sébastien Tramoni pour faire la troisième voix. Et pas seulement, puisque... Mais n'en dis pas plus, parce que lui, on va le retrouver tout à l'heure. D'accord. C'est un teasing, ça. On va maintenir le suspense. Parce que Arapa, c'est pas seulement les trois personnes qu'on a sur le plateau d'aujourd'hui. Juste un mot sur cette chanson, parce que je l'ai dit, je le pense sincèrement. Hein. Pour moi, c'est une chanson magnifique qui met la chair de poule. Elle va être sur l'album que vous êtes en train de préparer.
Alors, nous sommes en train de préparer un album de 20 titres dans lequel il y aura cette chanson. Il faut savoir que cette chanson, vous l'avez certainement entendue dans le film Joyeux Noël, qui parle des premières fraternisations le 24 décembre 1914. Et j'ai fait écouter la chanson à Don Mathieu, et le lendemain, eh bien, il a fait le texte en corse, une adaptation de cette chanson, qui est en anglais « A Dream of Home ». C'est un soldat qui rêve, comme tous les soldats à l'époque, de rentrer à la maison. On leur avait dit qu'il serait chez eux au mois de décembre. On connaît la suite. Hein, la guerre va se prolonger et ils connaîtront l'enfer des tranchées. Voilà. Ouais, Don Mathieu, dans l'album que vous êtes en train de préparer, il y aura plein de chansons comme ça qui ont un vrai sens, même un sens historique. Alors notre approche est une, c'est pas, on n'a pas fait un album pour symboliser le patriotisme. Non, c'est pas une commémoration en plus. Hein. Voilà, c'est pas une commémoration, c'est vraiment un album qui est là pour ne pas oublier le carnage qu'a été cette guerre, cette première guerre de masse hein, industrielle, qui contrairement à la Seconde Guerre mondiale n'a pas vu des bons et des mauvais s'opposer. N'a pas vu un esprit de liberté s'opposer, je dirais, au nazisme, au fascisme. Là, en fait, c'est une guerre globale qui va mettre sur le même champ de bataille les mêmes hommes, paysans, ouvriers, artistes, instituteurs, et qui vont s'exterminer comme ça pour une cause qui les dépasse largement, parce qu'évidemment, c'est une cause absurde. Une cause qui était très très loin d'être la leur, hein, entre parenthèses. En tout cas, un album en préparation, et je sais que d'ores et déjà, vous êtes invité sur un lieu aussi tragique de cette Première Guerre mondiale, sur le Chemin des Dames. Alors, j'ai rencontré il y a quelques années le maire de Crane, qui on dit Craon, pour ceux qui ne connaissent pas, mais à force d'y aller, il m'a appris à prononcer, c'est Crane. Le village où a eu lieu le cœur de bataille, le cœur du champ de bataille du Chemin des Dames. C'est le 16 avril 1917 que de ce village, enfin aux alentours, que sera lancée la bataille Nivelle, qui va être un carnage là encore. Et il nous a invités plusieurs fois. Nous avons chanté, comme le veut la tradition, chez eux, tous les 16 avril, un groupe où des musiciens se produisent dans le cimetière de Craonel. Alors, c'est un hommage qui est rendu, avec le respect qui s'impose. Et il nous a demandé de revenir pour le centenaire, avec d'autres chanteurs et musiciens qui viendront du Pays Basque. Il y aura aussi les Bretons, les Sénégalais qui ont aussi payé un lourd tribut, et les Corses. Oui, qu'on envoyait en première ligne, toutes ces communautés qu'on envoyait en première ligne et qu'on appelait à l'époque Chers à Canon. C'est sûr que... C'est une réalité. Allez, on va laisser la gravité de côté. Et puis, en tout cas, ce très, très beau projet. Juste pour la question à Sébastien, comment on passe de Svelioudis ou à Arapa? On n'est pas dans le tout dans le même répertoire, dans le même registre. Oui, c'est la route d'Ajaccio à Portillué, tu vois. Arapa, ben, en fait, quand on m'a contacté, j'ai été très touché. Bon, d'une part, parce que je connaissais Jacques. Je connais son immense parcours artistique. C'est vrai que je le suis depuis longtemps, avec Esurdiente et avec Kant, ses disques en solo. Donc Mathieu, je connaissais qu'à travers Arapa. Et j'ai vraiment accroché, d'une part, la plume, qui m'a beaucoup plu, les mélodies aussi, et le message passé qui n'est pas bien loin de celui de Svelio. Donc la passerelle était assez facile pour moi. Et dans des genres musicaux un peu différents aussi, hein, parce qu'ils se produisent aussi en église, mais aussi avec une grosse formation. On en parlera plus tard dans l'émission, parce qu'il y a encore un beau projet qui s'annonce. Alors on évoquait une quatrième voix pour le groupe Arapa, on l'a aperçu. Je l'ai déjà reçu sur le plateau. Pour moi, c'est une des belles voix de Corse, il faut bien le dire. Il s'appelle Marc Pitor. Je pense que je n'ai pas été le seul à le lui dire, mais on lui a dit, ça serait bien que tu montes un groupe, que tu proposes tes propres compositions, tes propres créations. Il a dit, si ça se fait, on viendra en parler. Bah, c'est le cas. Ils ont enfin monté un groupe, ils travaillent sur des compositions, ils travaillent aussi sur un album. Le groupe s'appelle L'Alba Inchen, à la chanson Brami d'Altro, et ils sont dans le live ce soir. Una strada va
Ciò cun si può spiega un ardore da sbramà parta e volta ancora su di a tu a noi già va dirà la luna su di a una strada da va ancora su di a tu a noi già va dirà la luna su di a L'Albany Chain sur le plateau du live. C'est en avant-première, c'est en train de préparer un album. Vous avez promis de passer. C'est Catherine Pitot qui va me rejoindre avec Marc, bien sûr, son frère, et Adrien Natucci. Bonsoir, Catherine. On s'était vu il y a un petit moment. Alors, bonsoir. Oui, non, ils ne vont pas te laisser seul, hein, t'inquiète pas. Marc arrive. Et Adrien aussi. Alors, quand on s'est vu, il y a un moment déjà, tous les deux. Hein, puisque ce n'est pas la première fois qu'on vous voit ensemble. Vous avez dit quel talent dans la famille Pitor, hein, tout ce chanteur. Adrien, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. On t'avait demandé, Marc, hein, mais pourquoi on ne prépare pas un album? Pourquoi on ne prépare pas des titres? Puis finalement, le projet a mûri et s'est concrétisé. Pratiquement. On dira qu'on est sur la bonne voie, on est bientôt fini. Donc on tient spécialement à remercier Jean Castille qui nous a supportés pendant des heures et des heures. Voilà, on est pratiquement sur la fin, donc ça se concrétise et voilà, on essaie de bien faire les choses, donc on ne se précipite pas. Ben, Catherine, pareil, hein, toi, quand on t'avait rencontré, c'était, bon, je ne sais pas, j'aime beaucoup la chanson, bien évidemment, j'aime bien me retrouver en duo avec mon frère, mais de là à partir sur une aventure avec un groupe, ce n'était pas encore très très précis. Aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Donc, Effectivement, oui, on a un peu travaillé, on attend de voir ce que ça va donner une fois mixé, une fois... Normalement, ça devrait le faire. Bon. Par contre, tu es dans un registre où on ne t'attendait pas forcément. C'est très pop rock. Hein. Oui, en fait, c'est un style qui nous correspond. On fait beaucoup de musique internationale. Donc, voilà, après, la musique... Oui, parce que les soirées à Porto Vecchio, tu en as animé quelques-unes quand même. Voilà. Où tu chantes vraiment de tout. Avec un nouveau venu. Avec Adrien, justement, Adrien, c'est le Benjamin. Bonsoir, Adrien. Bonsoir. Un peu le Benjamin qui intègre cette formation. Déjà, c'est un peu une surprise. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il monte enfin son groupe et qu'il vienne chanter non, avec exactement, eux. Je ne m'y attendais pas et ça m'a fait un énorme plaisir, justement, de participer à ce projet, en quelque sorte. Et voilà. Bon, si ça s'appelle Albany Chain, c'est pas un hasard non plus. Non, c'est pas un hasard, ça, justement. Si, je peux dire que toi aussi, tu es un enfant de l'album, on peut dire ça. Pas encore, je ne sais pas si on peut... un petit peu quand même. C'est pas à moi de décider. Tu as été bercé à ça, tu chantes depuis un petit moment aussi. Oui, depuis un petit moment, oui.
depuis quelques années, depuis une dizaine d'années maintenant. Ouais. Justement, ton objectif, c'était quoi, toi ? C'était de monter sur scène avec une bande de copains ou intégrer un groupe ? J'avais pas d'objectif précis à la base, et puis tout s'est enchaîné lorsque j'ai intégré l'Alba la première fois, puis ça s'est fait comme ça. Je veux dire, musicalement, ça a fonctionné. Au niveau des projets musicaux, on s'est rejoint sur pas mal de choses, et c'est ce qui a fait qu'on a décidé par la suite d'essayer quelque chose, de se dire, on s'est dit, pourquoi pas, nous aussi, laisser notre empreinte. Voilà. Tu t'es bien entouré hein, sur ce projet-là. Hein. Oui, on n'oublie pas aussi Joe Jotiari. Frédéric Bichet. Non, on va les présenter en fin d'émission. Là, c'est voilà. Une tradition dans le live. On n'oublie jamais de parler voilà. Des musiciens qui accompagnent, puisqu'ils sont parfois un peu dans l'ombre, mais voilà. Ils font un sacré boulot. Ouais. Vous restez avec nous, bien évidemment. Alors, on vous l'a remarqué, hein, c'est très soutenage hein, depuis le début de l'émission. C'est bien. Svelhoudis, ou là, Arapa, vous, on est resté dans le Sartenay, dans l'Alta Rocca et du côté de Porto Vecchio. Eh ben non. Il me fallait un nordiste. Il m'en fallait un. Ça tombe très bien parce que dans le live, vous le savez, on aime bien les découvertes. Il s'appelle Petru Bracci. Il vient d'en haut. Hein. Il va nous en parler tout à l'heure. Il a monté son groupe lui aussi. C'est un talent prometteur. C'est une découverte. On vous le propose dans le live. Le groupe, c'est Londa. On écoute tout de suite Federico dans le live. Sona cuore duvunadu, ma morte padrona di savida chamarturiada. Ogni momento penso a te, luna spirito rivelo, una mia vita di un re, ma piuttosto quella di un sidero. Scudato tante volte di sta malattia infetta che minava il tuo cuore senza poter dire aspetta stasera. Sono ferito di la tua partenza, allo mio caro Federico, con la tua dolcezza immensa, ed è il fiore di sta gioventù, che fece a campo al suo paese. Oramai sicura tu quassù a ritrovarsi ste rancese con la doce spurgolata e ti fece sente da lontano dal coro a casa nostra ludo che ruggio tanto amato. Era tu la stella più rida che illuminava la tua famiglia. Stare esempi i nostri cori, amico vite bravo, spero che tu riposi in pace. Ti tengo caro amicaccio, ti tengo caro amicaccio. Amigaccio Federico.
L'Onde, ce soir dans le live, en version acoustique, avec Petru Brach, Nicolas Giustiniani, Laurent Ducatillon. Alors Nicolas Giustiniani, on le connaît, on l'a aperçu dans le live avec l'Arc Rouge. Bonsoir, merci de revenir sur le plateau. Et cette fois pour chanter avec le petit jeune, la petite découverte, Petru Brach, qui va nous rejoindre avec Laurent Ducatillon. D'ailleurs, Petru Brach, lui aussi, je crois que c'est un ancien de l'Arc Rouge. Bonsoir, Petru. Les deux, Laurent. Et Laurent Ducatillon aussi, un ancien de l'Arc Rouge. Et de l'Albine. Et de l'Albine, monsieur. Juste pour commencer, Pierre, c'était la découverte de ce soir, un peu le Benjamin de l'équipe. Comment tu arrives à embarquer dans cette aventure, un des piliers de l'Arc Rouge et un des anciens membres de l'Arc Rouge et de l'Albino, parce qu'il faut qu'ils aient un minimum confiance quand même. Bon, déjà en premier, c'est des bons amis. Et puis après, je pense qu'ils ont même eu une certaine confiance en moi aussi, parce qu'on a chanté quand même pas mal d'années ensemble. Et je suis resté 6 ans dans le groupe L'Arc Rouge avec donc Laurent, Nico. Puis voilà, après moi j'ai quitté le groupe par un manque de temps. Laurent aussi a quitté le groupe. Et puis voilà, et puis à force on buvait des cafés ensemble et on savait pas. Chacun chantait dans son coin, aura qui faisait ses créations, ses compos et tout. Et puis voilà, on a décidé de. On sous-estime le pouvoir du café quand même. Ouais, hein. Voilà. On le sous-estime. Hein. On se retrouve souvent autour d'un café et puis voilà, on discute, on chante un peu et puis on a dit pourquoi pas faire un groupe parce que chacun chante dans son coin. Mais un groupe ça, et avec des créations. Avec des créations. C'est pour ça que vous êtes ici dans le live puisque ce sont ces nouveaux talents que l'on reçoit aussi avec des créations. Mais Nicolas, quand tu te retrouves, tu passes de l'Arc Rouge et tu te retrouves après dans le groupe L'Onde avec Petru, c'est quoi? C'est pour changer de style? C'est pour participer à une nouvelle aventure? C'est un peu, il y a plusieurs raisons. Mon Petru, c'est un ami. C'est un jeune que j'ai eu à l'école de chant de Casarc Rouge. Donc, on a lié des liens d'amitié par rapport à son parcours dans l'Arc Rouge. Et donc, quand on a, à un moment donné, on a voulu faire des créations, quelque chose d'un peu nouveau, parce que bon, il faut savoir que ce soir, on est trois, mais d'habitude, c'est une formation. Mais ce que je disais, c'est formation acoustique ce soir. Hein. Voilà, c'est une formation un peu plus complète. Et on a voulu tenter quelque chose de nouveau, et Petru m'en a parlé. Moi, j'avais quelques textes, il avait quelques musiques. Donc, Laurent aussi a fait quelques musiques, et on a dit pourquoi pas, on va essayer de travailler quelque chose pour sortir, pourquoi pas, un album. On va voir. On est dans quel état d'esprit, Laurent, justement? Quand on était dans une formation assez importante, quand même, avec l'Arc Rouge. Là, on est en comité un peu plus réduit. On s'exprime plus facilement, je ne sais pas. C'est très bien, on peut se construire quelque chose. Quoi. J'aimerais bien construire quelque chose, maintenant. Je suis vieux, maintenant, je vais construire quelque chose. Il était temps d'investir dans la construction. Hein. Peut-être pas dans l'immobilier, mais en tout cas, dans la musique et la chanson. Ouais. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, parce que c'est une émission de partage, vous le savez. Pour les 15 ans de The Veil, on vous a demandé de travailler des duos. Allez vous installer sur scène, puisqu'on va vous retrouver en duo, justement, avec le groupe The Veil Woodies, pour la reprise d'une chanson extraite du premier album de The Veil Woodies. La chanson s'appelle « A Paoli ». Ils sont dans le live. Merci de réserver un très bel accueil à The Veil Woodies et à L'Onde. Eterno da ti amado a me saluto camino pa ti ne sei andato o amico o frate du così ingrata sorti arrubandoti o viato chi so stati li to torti tu chi amai a vita di maniera così forti porterà giù sempre me di nuta amore di satara a felicità di ressa quando spunta l'alba chiara ribosa ti avane o pa il atto vuresta gara da Utara e a Roca e i vadi da Ligiani si sono tutti aduniti
amici e paesani, quando è giunta notizia, causa di tanti danni. Non si sinterra più rimi, non tassi vere di gulini, anculage li zamudi, la luttiosi ali marini, un mugli amanculuento, passi vureste vicini. Purtarà giù sempre meni luta mori di Satara, avili città di Lessa, quando spunta l'alba chiara, a riposati a Wali o pa, in atto vuresta gara. Quanti galoppe muvati, quanti ziratti di canto, in se tempi miniditi, uni ogni ed un incanto, solo di cistiaria e un amore tamantu. A passione ruttoviato, sulla tomma nera ti bastai a un caffè, qualche campo di fiera qua smintiga ogni cosa e passa notte intera. Porterà giù sempre me di luta mori di Satara, la felicità di Lessa, quando spunta l'alba chiara, a riposati a Wanyopa, in la tua vuresta gara. Radio sempre me di luta amore di Satara, la felicità di Lessa, quando spunta l'alba chiara, a riposati a Wanyopa, in atto vuresta. Avec Sveludizula, un extrait du premier album de Sveludizula, il y a quelques années maintenant, à Paul. Je voudrais juste dire que les morceaux que vous entendez ce soir, ils sont tous spécialement préparés et travaillés pour nous dans le live, et je tiens à les remercier très très sincèrement. Bon, à ce moment de l'émission, on arrive avec mon petit moment à moi. On a Marc Pitor, on a Jacques Couliol, on a Adriana Tucci, il y a Petru Bracci qui va nous rejoindre, et il ne sera pas tout seul puisqu'il y a Sébastien Tramogne aussi qui va venir. Vas-y, installe-toi. Là, vous demandez, mais de quoi va-t-on parler ? Ben moi, quand j'ai des chanteurs sur le plateau, j'aime autant les faire chanter. C'est ce que j'appelle mon petit moment à moi. Je vous l'ai dit juste avant l'émission, j'aimerais bien que vous m'interprétiez, triez, hein, enfin, vous avez compris, et vous en faites ce que vous voulez. Une petite chanson, un petit extrait en tout cas, une chanson qui vous tient à cœur, une chanson qui représente quelque chose pour vous, qui vous a peut-être donné envie de monter sur scène, ou que vous avez en tête en ce moment, ou qui vous fait rire aussi, parce qu'on a vraiment de tout dans ce moment-là. Alors le but du jeu, c'est simple, Marc a une guitare, s'il connaît la chanson, il vous accompagne, s'il ne la connaît pas, il ne vous accompagne pas. Maintenant, vous connaissez la chanson que celui d'entre vous est en train d'interpréter, vous voulez chanter avec lui, c'est un moment entre nous, vous n'hésitez pas. Et je vais commencer arbitrairement par Sébastien Tramogne. Alors, est-ce que tu as comme ça une chanson en tête que tu as envie de nous faire partager ? Petit extrait. J'étais pas au courant. Donc Ben vas-y, réfléchis. Une chanson donc qui m'aurait donné envie de chanter, qui... Par exemple. Bon, dans mes souvenirs d'enfance... c'était beaucoup Imouvrini dans la voiture, à la maison, soit mon père ou ma mère écoutaient en boucle. Voilà. Bon, il y avait aussi Tia, Miller Couge, etc. Et du coup, c'est vrai que je me souviens bien que je fredonnais un certain refrain d'Imouvrini qui faisait. Tu peux me donner un sol majeur ? A rombo di cantassi musiguri gada bene, a rombo di cantassi musiguri venera. La 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 la. Da un libro che c'è stato,
proibito da o brato, insevalito da o tiasu, consapiu que nisso passo. Quando ottobre si ne va, a rombo di cantar, siamo sicuri che da bene, a rombo di cantar, siamo sicuri venerà. Bravo, Sébastien Tramogne. Il est où Magica Noir? Anouar, s'il te plaît, quand il y a deux petites minutes, je voudrais que tu viennes voir là sur le plateau la guitare de Marc pendant qu'on continue à chanter. Voilà. On peut applaudir Anouar, c'est un des techniciens ici chez Attaque qui fait un super, super boulot. Tu vois, à peine tu arrives, ça marche. T'as plus rien à faire. Le second sur la liste, Petrou. Alors, moi j'y ai pensé parce que vous me l'aviez dit avant. Hein. Alors, l'ultima stringa, je ne sais pas si tu la joues. In un tango stringe mi vorte un amore, du malagare insieme un valeremo più, con gli aliga in fondo di questo rigore, usogna vedente che ha fatto la mia gioventù, lasciami cogliere le labbra come un fiore, non tua statera la mia passione si tu, veni a balà, hai de troppa marra, una chitarra sento. Dali qui in ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. Una sera la do promessa vinta, che il mio cuore assa più lunga. Non ti andrà e fammi di lo crede, ha già sognato che tu sei sempre a me. In un mio cuore ha guardato a vedere, ha guardato. Petru Bracci. Si. Ça, ce sont les intemporels. Hein. Les intemporels. Adrien, toi, je sais que tu chantes souvent. Oui. Alors, toi, tu dois avoir un répertoire très, très large, vaste et varié. Si un extrait d'une chanson que tu aimerais nous faire ce soir, ce serait quoi? Voilà, on va dans la continuité, dans le Corse. Je pense à l'Etera d'Argentina qui m'a bercé en quelque sorte, ça me remémore les belles années de Canta au Popolo Corse, et c'est une chanson qui m'affectionne particulièrement. Beau choix, allez, vas-y. Il loga di qui, so fatti a luta, parre, ula riaghi, tu du firme si, par me. Ma lo tempo si sbucina in satara d'Argentina. Quella può sapere chi è la mia vita o ha qualcosa di te chi ferma gli orna fa. Chi lume passo strascina in satara d'Argentina. Dove l'armonia strana, chi risona tante più. Adrien Latouche. Merci. Joli cœur en plus. Hein. Joli cœur. Bon, je vous préviens, ce soir, on fait 2h30 d'émission. Hein. On continue. Jacques, oui. Surprends-moi. Toi, si tu as une chanson que tu aimerais nous interpréter ce soir parce qu'elle représente quelque chose pour toi, ce serait quoi? A crié les cactus. C'est vrai, tu as un côté Jacques Dutronc, insoupçonné jusque-là. Il y en a des cactus sur notre route. Il y en a. Mais non, il y a une chanson qui me vient comme ça, de Geoff Redon de temps en temps. J'aime bien, c'est Yves Montand. Les feuilles mortes. Et voilà, donc. C'est joli. C'est pas mal. C'est, vas-y, c'est, vas-y. J'aime bien.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Les jours heureux, nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Moi, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Moi, je t'aimais. Et nous vivions tous deux ensemble. Moi qui t'aimais. Toi. Merci Jacques. Au début, le principe de l'émission, c'est on va faire des extraits, vous savez quoi, on les écoute pendant l'intégralité, mais presque, et on adore ça. Sébastien, puisqu'on commence à être un petit peu à la bourre, tu vas te mettre sur scène avec Zveloudis, où on va vous retrouver dans un tout petit instant, mais je vais quand même finir avec le jukebox de la soirée. C'est Marc Pitor, il a accompagné tout le monde. Alors lui aussi, il a un répertoire, bon, il a quelques soirées aussi à son actif, donc où tu chantes vraiment de tout, hein. Français, anglais, italien, corse. Et ce soir, une chanson de toi que tu as vraiment envie, que tu prends vraiment plaisir à chanter, ce sera quoi ? Une chanson sicilienne. Avec plaisir, et chante bien près du micro alors. Brucia la luna in cielo ed io brucio d'amori. Fuori da si consuma. L'anima ghiaccia, adurata, non si dà pasci, ma chi l'ha notata. Prudente passa, ma non aggiorna, non c'è mai sui, si dà contorna. Brucia la terra mia, mia brucia lume cori, chi si ti acqua ida ed io si ti d'amori. Acqua la canta, la mia canzoni, se non c'è nudo, cosa fa c'è lume alcuni. Ah, je dis bravo. Comme j'aime un peu le cinéma, on reconnaît un peu la chanson, un des thèmes du parrain. Bon, ça avait été adapté en français avec Dalida et Alain Delon, c'était pas pareil. Les compagnons, oui. Mais je préfère la version originale sicilienne que tu viens de nous interpréter. Hein. On peut encore applaudir Marc Pitor, Jacques Coulio, Adrien Latouche, Petru Bracci et Sébastien Tramogne pour ce très joli moment dans le live. On revient aux 15 ans de Zveloudis, ou là maintenant, si vous le voulez bien, avec un autre extrait. On va être un peu chauvin, en tout cas, surtout eux. Ça s'appelle l'Alta Rocca. Oh,
passioni, un mondo a me qua. Paradiso e dosi gomba sempre, ogni più che mai all'uso paesano, fatto di granito o di petrociata, tutto pavimento mai o Rocca, extrait de leur nouvel album Destino Human. C'est le groupe Zvengiz qui fête ses 15 ans. Bah tiens, Anthony, puisque tu es debout, Anthony Segondi, on l'a pas encore entendu. Anthony, tu viens nous rejoindre sur le plateau, s'il te plaît, pour parler juste un petit peu de cet album. Vas-y, installe-toi. Tu vas être tout seul pendant deux petites minutes. Juste pour me parler de ce quatrième album, on y retrouve quoi ? Vous aviez envie de parler de quoi ? De chez vous, bien sûr, votre région, mais pas que. Il y a beaucoup de thèmes qui passent par soit des textes vraiment collés à l'actualité, des textes enracinés, et d'autres qui ont des valeurs plus universelles et des thèmes plus communs, tels que l'amour. Et donc, bien sûr, on a envie de parler de beaucoup de choses, mais il n'y a qu'une douzaine, une quinzaine de titres. Donc, on peut pas, il faut faire des choix dans les thèmes, essayer de varier, essayer de dire ce que l'on a, qui nous tient le plus à cœur sur le moment. Et on espère à chaque fois trouver des thématiques qui donnent quelque chose à l'auditeur, qui essaye de tendre une curiosité, d'apporter quelques réponses peut-être. Finalement, tu aimes beaucoup parler à travers les disques, parce que pour te faire venir sur un plateau, c'est plus compliqué déjà. Hein. Tu aimes moins de parler ici. J'essaye de passer le bébé un peu, parce qu'il y en a qui font beaucoup de travail et qui ont beaucoup de talent, mais qui m'envoie un peu au front. Alors j'essaye de donner. C'est normal, tu donnes un peu le rythme du groupe, toi. Oui, c'est un peu ton boulot. Oui, voilà. Tiens, justement, j'ai une question qui n'est pas très fufute, hein, ça, honnêtement. Mais pourquoi tu n'es pas passé à la batterie ? Tu restes avec les percus ? Parce que la batterie, tout le monde le fait. Alors qu'est-ce que je fais ? C'est pour te démarquer. Surtout qu'à la batterie, je ne suis pas bon. Même si je ne sais pas si je suis bon à ça, mais à la batterie, c'est sûr que c'est catastrophique. Non, ça va, ça va. Pietro, je suppose que tu connaissais bien sûr Svelloudis. Ce soir, tu as pu travailler le duo. J'ai envie de rentrer un peu dans les coulisses de l'émission, parce qu'on t'a proposé de faire le duo avec Svelloudis, avec qui tu n'avais jamais travaillé. Ça a été facile, justement, de faire cet échange, de travailler avec eux. Franchement, oui. Ça a été, c'est passé de suite, on s'est de suite...
accouplé comme il fallait au niveau de la chanson. Hein. Je précise. Oui, non, parce que le reste, on ne veut pas savoir. Hein. Non, voilà. C'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que j'ai précisé. Non, non, ça a été de suite impeccable. Non, tu as échappé à cela, peut-être, Marc. Tu aurais dû venir t'accoupler avec nous. Non, je ne suis pas accouplé, non, moi, je suis pas. Bon, je ne maîtrise plus du tout cette émission, donc on va passer à la musique, puisque c'est ce qu'il y a de mieux dans cette émission. Bien évidemment, on va retrouver le groupe Arapa. On l'a dit, ils préparent un nouvel album et puis plein de choses hein, pour cette année et l'année prochaine. On les retrouve tout de suite avec un autre extrait. Ça s'appelle « A peine agorta ». L'uomo di fortuna, soffio di rivoluzioni, forza nata contro luna, l'inticcio di nazioni, marinaro sciò di vuna, questi garbo, questi azioni, marinaro sciò di vuna, questi garbo, questi azioni. Qui aio par compagno, da sti forza poesia, domani preso guaio da fagno, fratello di la rasia, dell'Irlanda o scinfai, di Venezia. L'alchimia, in Irlanda o Schinfeige, di Venezia l'alchimia. Cortum malte di mani, senza segno di fortuna, cortum malte di Livania, mori per zia la luna. Tu viaggi a fior di sogna, pulirò i spirali, tu viaggi a fior di sogna, tra gli morgani infernali. Quando il lutto negro sguardo scopre la strada ci resta, a tonai già tu fai d'un missigabu in a tempesta, fa scontra qua già razzardo, a magia più funesta, fa scontra qua già razzardo, a magia a più funesta. Ci han buttato per su mondo ai confini orientali, il casco pesce tondo in azzurrata scari, e loro d'un circondo di volti di rispondari, e loro d'un circondo di volti di rispondari. Fortun alte di rimani, senza segno di fortuna, fortun alte di rimani, amore versi alla luna. Hey! L'uomo di scongiura di Cernogno nel villaggio, manco un tempo di sciaura ai bordi di San Biagio, e stelia notte scura una via nutoiaggio, e stelia notte scura una via nutoiaggio. Lutto destino strigato, genio di letteratura, in un mistero si legato, oggi addome la viura, tutto batte la rinata. Cortum malte di rimani, senza genio di fortuna, cortum malte di rimani, a morì pensa la luna, tu mi agli a pior bisogna, pure gioi di spirali, tu mi agli a pior bisogna, tra i morgani infernali. Non t'hai storie sconfinite, mi va ci voltano giusti pagini indiadiciti,
tutto essa misterioso in si tempo scoluriti. Tutto essa misterioso in si tempo scoluriti. Sazello di fortuna, corpo madre di uomini, amori persi a luna, tu vieni a piano bisogna, pure dagli istirali, non ti hai a piano bisogna, non imorga gli infernali. Le groupe Arapa, j'ai envie de dire presque au complet. Jacques Couliol, Don Mathieu Santini, bah venez me rejoindre s'il vous plaît. Jacques Couliol, Don Mathieu Santini du groupe Arapa, j'ai dit presque au complet, Jacques, parce que tu nous prépares pour les mois à venir et l'année prochaine, ça va être une formation un peu plus importante. Avec le groupe Arapa, donc oui, une formation. Enfin, c'est-à-dire qu'on a plusieurs formations, hein, ça dépend le lieu où on se produit. Souvent en église, on n'est pas nombreux. Et puis si c'est un concert scénique, à ce moment-là, on peut se retrouver à 10. Bon, 7 musiciens, 3 chanteurs. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de se réunir à 10-7 musiciens, pour plusieurs raisons. Hein. Et donc nous sommes souvent 6 ou 4, mais 6 avec 4 chanteurs cette fois-ci, dans la formation scénique, et 2 musiciens. On les présentera tout à l'heure, Don Mathieu. Dans les projets à venir, il y a aussi une formation très importante qui va venir vous rejoindre. On va vous retrouver, je ne dirais pas avec un orchestre philharmonique, mais il va y avoir du monde sur scène. Hein. Si, ce sera un philharmonique. Ce sera un philharmonique avec, je dirais, peut-être pas autant de musiciens, mais il y aura toutes les catégories d'instruments qu'on attend dans un philharmonique. Et c'est un projet que l'on doit à Jacques, hein, et à sa passion, je dirais, qui date depuis de longues années, de nombreuses années par rapport au ce premier conflit, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, donc, nous sommes allés enregistrer à Sibiu avec des amis aussi de longue date aussi, et pour un album qu'on espère faire sortir à la fin septembre. Ben on attend ça avec une grande impatience. Et pourquoi pas, dans la foulée, une petite tournée. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Alors j'ai inventé un concept dans le live. J'ai inventé le duo à plusieurs, parce que c'était compliqué de faire duo avec deux groupes. Donc on va faire un duo avec Zveloudi Zula et l'Alba Inchen, un extrait d'un autre album de Zveloudi Zula pour fêter leurs 15 ans. On va les retrouver avec Isozonia tout de suite. L'Alba Inchen avec Zveloudi Zula. Lo silenzio nasci, creatore io, che piano piano cresci, la sua storia vi scrivo, quanto n'ha conosciuto dolo di un soli si sraga, dopo tanta di verma sola a parlare una lingua. In un sogno è campata. Silenzio che sogno, la sua vita se ne è andata, e un pari animo un guaio. Ida lì sogna, e mi volia punta, prese dei demonia, una di baci a parla, tua sa chi da è unica, a lampa un brionu, quando da si litiga. I conni de basta si posprima in un sogno è campata un silenzio che sogno a sua vita si è andata e un balan in un guaio
tua storia di scrivo. Facendo la sua torta, con dei daghi sciolarà, inconide basta, si può prima. Dans le live de ce soir. On y va doucement, mais sûrement, vers la fin de l'émission. Alors, on l'a dit, hein, Jacques, il y a plein de projets pour le groupe Arapa. Nouvelle version, on va dire. Ce soir, il y avait qui avec Arapa? Il y avait Don Mathieu Santini, bien sûr, toi-même. Et Don puis... Mathieu Santini, alors les chanteurs Sébastien Tramoni, Marc Pitot. Qui vont vous rejoindre régulièrement. Qui vont nous rejoindre régulièrement. Émilie Cahuzac au violon. Alors, on peut l'applaudir encore une fois au violon avec Arapa ce soir. Qui joue très régulièrement avec nous, hein, puisque dans les formations en église, elle est là tout le temps. Et Grégory Gambarelli. On le disait, hein, plein de projets. Il y a un disque qui va venir. Il y a peut-être une tournée. Il y a un philharmonique avec vous. Oui, il y a une tournée. Ça va être plutôt sympa. Il y a un disque à venir sur la Grande Guerre, on l'a déjà dit. Et enfin, enregistré Nadal Yugador, Ricci, tu le sais, c'est une chanson que j'adore tout particulièrement. Merci pour le cadeau de ce soir. Petro, avec toi, ce soir, c'était comité restreint. Il y avait qui? Comité restreint. Alors, il y avait Laurent Ducatillon et Nicolas Giustiniani. Voilà. Qu'on peut applaudir encore une fois. Je sais qu'il y a une formation... Oui, qui n'ont pas pu venir ce soir. Moi, je vais balancer. Il y en a un qui a le bras dans le plâtre. En même temps, c'est le batteur, donc c'est plutôt gênant pour jouer de la batterie. C'est vrai. Voilà. Qui est Philippe Campan. On va vite t'installer sur la scène. On avance doucement vers la fin. On va écouter une autre de tes créations qui nous proposera très, très certainement sur son prochain album d'ici quelques mois. Ça s'appelle Vadim, et ça est Petru Bracci avec le groupe L'Onde dans le live. Se non c'è una stagione,
vista dell'inferno non di calore infiarrato, ma un imam con inverno e un più aggalapato, un è tempo in caderno, un è tempo non c'è bramato. Tutti la nasa affaccata si bacia a passi murepini, niente luce lo acquade e dalle pari cristalline e di tamba dettunate so questi li so istini. Se non c'è una stagione con borre e rapine per scrivere la mia canzone c'è una stagione con borre e rapine per scrivere la mia canzone e di sicuro di me. Vadim, avec le groupe Londe, la découverte de ce soir. Alors, comme on est presque au terme de l'émission, Marc, bah, je voudrais que tu me présentes ton nouveau groupe que tu as voulu nous proposer ce soir. Et bah, je t'en remercie parce que c'est une grande première, en tout cas pour nous et peut-être pour vous aussi, dans le groupe L'Albanichen. Alors, il y a qui ? Il y avait qui ce soir ? Tout d'abord, vite fait, un grand merci à Svelio Dizula qui nous a invités sur ce plateau ce soir. Voilà. Enfin, un grand merci à eux. Ils vont inviter aussi sur leur CD. Ensuite, je vous présente tout le monde. Il y a Jotiar, guitare et chant. Il y a Adrien Atouche, qu'on a vu tout à l'heure. Frédéric Bichet, au chant. On a à la basse Marco Bartoli. À la batterie, Vincent Bruno. Catherine, bien sûr. Voilà. Et moi-même. C'était le groupe L'Albanichen, ce soir. Alors, Sébastien. Il le disait Marc, il y a des invités aussi sur votre album. Il y a Marc Pitoro, bien sûr, mais il y a aussi Félix qui a collaboré oui, aussi. Oui. Félix nous a fait l'immense plaisir de partager un titre aussi qui chante en duo avec Jo. Et c'est, vous verrez, pour nous, c'est une merveille et c'est un rêve qui s'est réalisé. Bon, on souffle les bougies avec qui alors ? Zvelu Dizula, ce soir, c'est qui y a, qui n'y a pas ? Alors, Zvelu Dizula, je vais commencer par les absents. Parce qu'on a un accordéoniste, Jérémy Loyer. On a un guitariste, flûtiste, mais surtout arrangeur de nos deux derniers albums. C'est Michel Tomei qui est bloqué. Mi volto, sinon on a déjà smettiga uno. Au piano, le magnifique Martial Paoli. Il adore ça. Voilà, tu m'as tellement troublé que je n'ai même pas été gentleman, j'aurais dû commencer par Vanessa. Vanessa Cahuzac au violon. À la percu, au chant, à l'écriture, Anthony Segondi. À la créativité aussi, l'écriture, la mélodie, Nicolas Sorba. À Hugues Antonino. Julien Anton, qui nous a donné de jolies chansons sur le dernier album et qui nous fait le plaisir d'être avec nous. L'ancianetto, Jean-Jacques Cesari. Du plus vieux, je passe au plus jeune. Tu l'as reçu tout à l'heure. Le chauve-barbu, Christophe Ettori. Une nordique. Mais tout le monde. L'immense Joe Franchi. Évidemment. Juste un petit mot à un auteur qui monte. Tout le monde se dispute. Et il nous a fait le plaisir de nous donner deux textes pour ce disque. C'est notre ami Gianfrederico Terrazzoni. Qu'on peut applaudir. Beaucoup, beaucoup de talent. Et bien sûr, Sébastien Tramone, on était très heureux de fêter avec vous
les 15 ans du groupe et ce quatrième album. Mais on va vous écouter dans un instant. Le temps pour nous de retrouver une nouvelle fois l'Alba in Chains avec un autre titre. Ça aussi, c'est une avant-première. On le retrouvera d'ici quelques mois sur leur premier album. C'est Spin to Uccelli. Voici pour la dernière fois ce soir l'Alba in Chains dans le live. L'Alba in Chains pour terminer le live de ce soir. Ci sono state belle squadre, ci sono stati belle voci, belle canterine.
Oh, on s'est régalé, voilà. Je le dis comme je le pense, on s'est régalé. Merci aux équipes techniques de France 3 Corse, Via Stella qui m'accompagne sur chaque live, et puis à toute l'équipe d'Attaque Internationale. Merci au public qui était présent ici ce soir. Un énorme merci à tous les artistes présents sur la scène du live. La bonne nouvelle, c'est qu'on va passer de belles vacances et qu'on se retrouvera en septembre. Je suis très heureux déjà de l'idée de vous à l'idée de vous retrouver d'ici 2-3 petits mois. Merci de nous avoir suivis. On termine en beauté avec Chanson de circonstance, chanson de Svalioudis, où là, bien évidemment, ils fêtent leurs 15 ans, ils ont un nouvel album. On les retrouve en duo avec le groupe Arapa. On termine sur cette note de Paci. À très bientôt, merci de votre fidélité. Ciao. Stinte come un iulù di vomu è sparito un sisacamu quale ca spinto sull'umu un si può ritrua tondo ne banalità come cieli chi savugna un fatemu troppo spisu. Così l'ansum si capisci, da montata a montabisu. A vi possa assicura, tanto ne banalità. Augucci aria intensa, e scambiata coscienza. Come murato d'amore, oggi si strappano i gori. Soltanto lezioni in daro, gustate così amaro. Parala, oggi n'avemo bisogno, ci ho mai più sarà, ma tutto arriverà. In loca una onda, a Parigi piano piano, disumina tra morti, augurci a rinantare, faremo uno sciurumano.